de sang, c'est marrant. Il y a un rouleau de printemps crevette. Nous allons tous mourir. What the fuck? Yo, how these dudes keep writing? Do they cheat or what? C'est de la torture là ce qui est en train de se passer. Ça s'appelle la jalousie. La jeune fille ici présente que vous voyez à l'écran, la blonde qui illumine cet écran, a obtenu un partenariat avec Diesel et doit donc choper 5 pièces Diesel et la nouvelle co est... Macha luxe. On va prendre une grosse veste en jean oversized, comme ça je vais pouvoir la prendre après. Tu peux me prendre ça, s'il vous plaît, cette veste là-bas. Ma mère, elle va kiffer ça. On dirait moi qui l'ai fait. Sur Phoenix partout. Ok, ça part. Julie, je veux ça. Donnez-moi ça. Moi aussi, je veux bosser avec Diesel. Si vous voyez cette vidéo, Diesel, je vous attends. Non, il est moche, je vous le prends. C'est de la torture là ce qui est en train de se passer. Une heure et demie plus tard, j'étais donc rentré à la base pour l'accompagner. Je repars avec un pull, un sac à dos, un sweat, une veste, un t-shirt. Je crois que vous pouvez me remercier. J'ai plus trop de batterie, on va aller manger un bout, ouais. Et back home, je t'explique cette fourberie. Je suis en train de vous finir la vidéo qui était censée sortir depuis beaucoup trop longtemps. À l'heure où je posterai cette vidéo là, normalement ce sera déjà online, je te mettrai juste là. Je te laisse admirer cette vue qui est juste... Ouais, c'est littéralement pour ça que j'ai pris l'appartement. Bref, ça... Grâce à la demoiselle 12 février de tout à l'heure, je me retrouve avec plein de fringues, chose qui était inattendue. Là on était en pré-soirée exprès pour que je puisse finir ma vidéo, enfin du moins m'avancer un petit peu. Donc ça va s'habiller en full Diesel et puis ça va aller boire un petit coup quoi. Un petit coup d'eau de coco. Salut. Hola. Hola chicas. Hola. Mais qu'est-ce qu'il est beau. On se rejoint à la favela. Sur ces petits bruits de rivière qui signifient la vessie d'une jeune fille qui est en train de se soulager à côté de moi. Attends, je vérifie que ça coule pas sous pour mes pieds. Pour un fois, c'était pas moi. Est-ce que tu connais la loi de l'attraction? Si tu ne le connais pas, je t'explique en deux spies. Coucou. Voilà, c'est tout. Bref, à skip, on est arrivé dans le quartier le plus hype genre de Nice où c'est pas possible de trouver des places et tout ça et tout. Mais moi, Taïch, sentais le feeling des places. Et en fait, la vie m'a appris que quand tu penses vraiment... Vas-y, passe, frérot. Quand tu penses vraiment à quelque chose, genre si là t'arrives et que t'envoies vraiment des good vibes et tu vois que tu penses vraiment que tu vas trouver une place, bah voilà, tu vas la trouver cette place. Et du coup, on est carré là et le bar il est là et on est dans le vieux Nice en dessous du château qui est là. Sur ce, tout de suite. Allez. Mel, je t'avais dit de pas m'embêter, Mel. La mal. Regardez-vous maintenant, Mel. Oh, j'arrive à marcher. Pardon, vas-y. Mel. Câlin. Me touche pas. Nous allons tous mourir. Quatrième sortie. Là. Si, attendez. Tristan. On va avoir un accident. C'est là. Où ça? Là. Ouais. On va au drive, là. Attends. On va au Mac Drive, en fait. C'est genre de moment où tu fais 20 minutes de route pour aller à un escape game, mais qu'il y a plus de pluie que dans le Pusignan. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas. Aller dans le sud, qui disait. Il fera beau, qui disait. Curious world. Donc oui, nous avons récemment développé une passion pour les escape games. Nous faisons donc tous ceux de la ville en sortant de la salle. Tu me connais, tu sais que j'adore m'entraîner et tu sais que si je sacrifie du temps de training, c'est en principe pour aller faire des trucs qui en valent vraiment la peine. Il se trouve qu'on a juste une love des escape games et qu'on fait tous ceux de la ville, donc voilà. Hop là. Mais c'est dans mon soir, on t'a présenté. Sois facile,
comme d'hab, on est en retard. Time pour le, je crois, 4ème escape game de la semaine. Toujours avec le squad. Let's go! Tomorrow. Tenez, maître. Ladies and gentlemen, good morning. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Les gars, comme d'habitude, on est en retard. Aujourd'hui, il se passe pas mal de trucs. On a rendez-vous au fitness park de la part Dieu. On va faire un meet-up avec les buddies lyonnais qui se sont déplacés pour faire un petit entraînement des familles. D'où les PAO. Bien sûr, on est en retard. Bien sûr, j'en ai perdu un. Du coup, bah, je sais pas trop comment je vais gérer ma petite dizaine d'élèves pour tout à l'heure. En plus, j'ai grave mal au ventre. Du coup, je sais pas trop comment ça va se passer. J'ai même pas encore préparé le cours que je vais leur faire. Donc, j'appelle un youtubeur. On part dans la voiture. Et c'est tout. I can't believe it. There ain't no one just give it. Qui est ce youtubeur? Allo? Allo, c'est lui! I said what's up, y'all gonna step up ah, le mec perd des trucs même dans sa voiture. Tu sais que soit dit en passant, cette merde, c'est le truc le plus rentable que j'ai acheté de ma vie. Parce que moi je perds tout le temps mes clés. Ceci n'est pas un placement produit à savoir. Je voulais un endroit où mettre ma carte fitness park pour que quand j'aille à la salle, en sortant de la voiture, j'ai pas besoin d'avoir mon portefeuille ou quoi. Du coup j'ai trouvé ça, il y a les clés de voiture ici, il y a les clés de maison ici, il y a les clés de mon cul ici. Et là, il y a la CB, et là, il y a le truc fitness park. Et du coup, cette chose a révolutionné ma vie. Voilà, merci, au revoir. Je ne sais absolument pas où ils sont, les coquins. Let's find them. Allons-y, let's go. Il y a un Real Bullies, tu te rappelleras du même vlog que j'ai fait ici tout seul il y a genre 6 mois où je galérais parce qu'ils ont fermé l'entrée principale. Là on est exactement dans la même situation. Je crois que j'avais fait le pire détour de ma vie en passant par là. Et là, je sais pas où aller. Il reste 5 minutes. Comme d'hab, du coup, on est en retard. Sans commentaire. C'est parti, les amis. Nous allons les trouver. Comment passer une journée de merde en 5 minutes? Ça me rappelle tellement mon enfant. Contrôle du titre de transport, s'il vous plaît. Bah, en fait, c'est pas ma carte. Allez, après un détour de 15 minutes. Yes, I. Mesdames. Bien le bonjour. Comment vous allez? C'est fatigué, c'est fin, c'est très très fin. Des enfoirés. Je vais au resto, ils me disent ouais mais toi tu dois être dans la salle. Mais moi j'ai faim. Ah, story of my life. Tellement toujours en retard que j'ai jamais le temps de bouffer ou de faire la faim. D'où l'importance des barres protéinées bulky. Hop hop. Là vous mettez face au miroir du coup. Ça va être plus ou pas pour 10 minutes. I can see it on your lips. She wanna party with the best. Yeah, grab a fit. I'm tripping hard on this beat. Man, my mind's lit. Back and forth from what I want and what I'm gonna get. 100 songs in 100 weeks. What the fuck? Yo, how these dudes keep writing? Do they cheat or what? Nah, bitch, we just know how to get what we want. And we're good at what we do. This is never enough. I'ma be first, bitch. All I do is work, bitch. Party hard, sure, bitch. Then back to the verse, bitch. They gon' need a nurse, quick. Put them in a hearse, shit. Using every word to get heard by this earth, bitch. I said, what's up, y'all gonna step up, I'm the best as they come, call me blessed, I'm the one, spitting rips like the sun, fire blast out my tongue, staying forever young, if you play me, you're done, look out, I'm about to make it, I ain't faking, wolf was breaking, and these bands have all been waiting patiently to see me take it, I think that it's time to snake it, call me Drake, the charts I'm taking, and I make all of these statements, cause my... T'as vu, c'est ce truc qui paye pas de mine, mais qui t'éclate, Tara, c'est pas le même effort, donc nous on a l'habitude de faire du squat, du deadlift et tout. C'est pas du tout le même effort. Bam, bam, ça fait ça. En vrai, c'est vrai. Ensuite, boum, ça fait un. Bam, ensuite, bam, hop, ok. Continue un peu plus dur. Bruit de jouissance. Ok. Alors, jambe gauche tendue. Ok. Ok. Allez, c'est bien, ça part. Ok. Rien qui bouge, vous êtes des rochers, les gars. Allez,
On va venir tendre les bras vers l'avant. Tiens, c'est vraiment dans la tête. Comme ça. Non, franchement, ça fait du bien. Vous mettez vos jambes à la parallèle du tapis. Ici, vous êtes censé pouvoir tenir debout. Merci d'avoir participé à tout ça. Merci d'être venu pour nous, pour moi, pour Bulk, je sais pas. Félicitations. Je vous parle tout le temps dans mes stories pour ceux qui suivent mes Instagrammeries, des bar macro munch de Bulk, du coup de mon sponsor depuis bientôt 2 ans. Tout le monde dit que je bullshit parce que j'en parle vraiment tous les jours. Et je vous laisse regarder sur leur visage s'il va y avoir un seul dégoût. Et en direct, genre, je vous laisse voir. Ok, premier avis ici. Non, propre. Propre. Deuxième avis ici. Pas chalux. Troisième avis ici. Dégueulasse. Dégueulasse. Voilà, merci. Merci beaucoup. Fin du vlog. Ah, allez, ciao. Bon. Oh. Tinder. Bulk. C'est cool. J'ai jamais fait une séance aussi sportive. Ça va, rien de bien méchant. C'est... Oui, mais j'en ai fait déjà 2 avant avec Antoine. Et... Filme bien ça. Antoine. T'as vu, là à l'époque, quand mes parents ils parlent de papy, ils te montrent une photo en noir et blanc dégueulasse. Ils me disent tiens, regarde papy. Imagine nous à notre âge. Bah tiens, regarde papy, il va montrer l'Insta. Je sais pas pourquoi je pensais à ça, mais ouais, y a grave des changements qui n'hésitent pas. Hein, si je peux vous aider dans quoi que ce soit, sportivement. Mentalement, bulkiment, je suis là, mais on se rend pas forcément compte du chiffre. Et là, genre, nous on voit les chiffres, on voit des likes, des commentaires et tout ça. Mais c'est important de garder un pied sur terre et de se rendre compte que genre 10 likes, genre, c'est vous 10 qui avez fait ça. Genre. T'imagines que tu tapes une photo, je sais pas, avec 40 000 likes, genre. Dis-vous, mais où, tu vois. Ladies and gentlemen, c'est sur ce post-workout des familles composé d'un boboon bœuf en XL et d'une soupe des familles avec un bubble tea et un rouleau de printemps crevette de Woko que je termine ce vlog gentiment. C'est juste incroyable, c'est juste génial à chaque fois de pouvoir faire des événements qui lient le virtuel au réel, de créer des événements physiques comme ça, parce que c'est là où on se rend compte de la réalité des choses. Ça n'est pas... C'est là où on voit ce que c'est, genre 10 personnes. On voit souvent 10 likes sur nos photos, 10 commentaires, mais on voit pas que derrière il y a 10 comptes spécifiques et 10 personnes différentes. Donc bref, c'est juste génial. M'attarde pas trop, je vous aime. C'était le fire. J'espère vraiment pouvoir faire ça avec tous mes buddies et ça me ferait vraiment plaisir. On se revoit incessamment sous peu, je ne sais quand. Match là. Lift it, that wheel up, with it, I feel it, knock it, toss it.